Voilà, je fais exactement au même rythme pour tester le micro. Je sais qu'il y a un décalage et que ça donne bizarre. Mais je fais au même rythme que la musique. Donc, Mystic Quest Legend. On est reparti sur ce RPG de Satan. Et on s'était arrêté juste ici, au volcano. Est-ce que tu feras Nightmare Creature sur PS1? Ouais, peut-être un jour. Ça va un jour tomber. Allez, go! On va parler à la demoiselle, ou le monsieur, je sais pas qui c'est. C'est un monsieur, mademoiselle. Bonjour, madame! Bah voilà, c'est parti, combat de boss. Alors, on va réfléchir. On va d'abord s'attaquer au loup. Avec un sort qui défonce donc le bizarre. Voilà, et voilà. C'est pas vraiment son style. De quoi même. Nightmare Creature, mais il est très bien. C'est très bon jeu. Mon style, c'est les FPS, ouais. Je préfère les FPS. Peut-être pas les FPS console. Bon alors, hey, on a un boss là, qui m'a paralysé. Médusa, c'est Médusa, elle résiste, donc elle résiste. Ah, tu résistes? Attends, 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 je vais soigner mon pote. Donc le soin, c'est quoi déjà? C'est guérison, c'est logique. Attaque. On attaque. Ah, je suis mal barré aussi, moi. Donc, guérison, hop, attaque. Tout juste. Tout juste, tout juste. Allez, on combat. À la bombe, non. Non. Attends, on peut annuler, oui. Je vais plutôt prendre la hache. Voilà. Là, on est bien. Ah, j'attaque avec HB. Sandy résiste. Facile ce combat! Trop facile le jeu! What? Attention, elle s'énerve. Elle va s'énerver, elle va me paralyser ou je sais pas quoi. Aïe. Frappe 5 fois! Ouf. Allez, encore un coup. Encore un petit coup. Elle perd ses cheveux. Pas de soucis, on continue. Attends, objet, rends la vie. Non, ça fait des proutes. Sors. Merde. Je sais pas. Santé? Non, santé, non. Est-ce qu'on peut donner de la santé à un mort? Je vais me soigner avec une potion. Et on va essayer de... Mauvais. Très mauvais. Je combats ou pas? Je combats. Allez, je combats. Je vais crever. Je résiste. L'ennemi est anéanti, pas de soucis, Perseus. First try. Trop facile. Tu peux ranger ton karma dans sa poche. Bon, voilà. C'est tout? C'est tout. On s'en va. Bye bye. Adieu. Retour au village. Mais pourquoi ça tremble encore, enfin? Mais qu'est-ce qui se passe?
Le capitaine Mac est parti. Oui, ok. Le capitaine Mac. Alors pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le sujet de ce qu'on parlait tout à l'heure, je relativise. Voilà, je voulais ajouter ça. Qu'est-ce que je fais ici? On fait rien, on s'en va et on continue les combats. On va là-haut. Le dôme de lave. Quoi? Non? Non! Dôme de lave! Oui, ça va beaucoup mieux avec la mise à jour de Tipeee, de Touch Portal. Par contre, nouvelle interface. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de changements. Pierre! On m'a transformé en pierre. C'est le jeu. Merci Monsieur Guillaume Daniel. Coup de fouet. Je crois que c'était moi qui avais donné un coup de fouet. Bon, hé, Pierre. Hé, il est chaud l'oiseau, là. Oh. C'est quoi, déjà? Santé. Logique. Mega Flame! Eh oh 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 oh! Reviens en arrière. On attaque le piaf. Chouchou attaque avec plongeon. Qui c'est qui teste les alertes seul? Je peux le faire en local. Et voilà! Ah non, je peux même pas le faire en local. Merde! Un chocobo. Les ninjas. Oh les ninjas. Les ninjas. Les ninjas. On va les attaquer avec un sort de tonnerre. Oh mais ils sont tout nuls. Attaque avec fléchette. La vache, ça fait mal. Attaque tonnerre. Ninja faibli. Oh ouais. Kasumi Ninja. Attaque tonnerre direct avec eux. Et une sauvegarde aussi. Pourquoi pas. Après le boss, c'est toujours bien de faire une sauvegarde. Sort. Guérison. Ok, on peut aller par là. Bah, je vais par là. Non, je vais par là. On va par là et après on ira à gauche. Qu'est-ce qu'il y a à Google? D'accord, je reste là au cas où. Mais... voilà. Google nous dit qu'elle reste là au cas où. Très bien. Avizar. On combat les avizards avec le tonnerre. Bonsoir, Pseudoin. Frappe une fois. Non. Attaque. L'ennemi est anéanti. Donc là, si je descends, je pourrais plus revenir. Dans la grotte. Oh. Oh.
C'est quoi tout ça? Ça sent pas bon là. Ouh là, ça sent pas bon du tout ça. J'aime pas la dégaine de ses ennemis. Je transforme en chauve-souris. Croque-pire attaque avec drainage. Croque-pire. Avec Boom Sonic. Sonic Boom. Le tonnerre. Ça fait l'affaire. Non, ça fait pas l'affaire. C'est nul. Le tonnerre, c'est nul. On dirait la musique d'un jeu de course. C'est quoi ça? Tortue flamme. Alors, tortue flamme. Blizzard. Logiquement. Oh ben non. La massue. Attaque Blizzard. Oh 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 oh. Elle me pète dessus. Aveuglement. Ok. Je suis toujours en aveuglement. Petite sauvegarde. J'ai l'habitude. Ah. Oh. Attends, quoi? Je crois que ça sert à rien de venir là maintenant. À moins que... On va voir. Oh non! Attends. Blizzard. Tonnerre, c'était pourri. Donc Blizzard. Attaque. Lui. Très bien. Très bien. Bon, voilà. Un coup, c'est bon. Ça va, ça va. Pas de panique. Blizzard, c'est pourri. C'est quoi qui est bien contre eux? Le feu? Faut les cramer? Voilà, ça doit être ça. 1104 XP. Attention le saut. Oh, on peut balancer des bombes! Ah bon, ok. Première nouvelle. Médusa! Et là, je crois que je me suis avancé un peu vite dans le combat. N'est-ce pas? Allez, bombe. Bombe pour tout le monde. Et toi, t'attaques. What? Elle est toute pourrie, Médusa. Pourquoi c'est trop facile? Trouver la vie enfin! Voilà, je peux donner la vie. Elle est bien la musique là. Pour l'instant ça va. Après j'en aurais marre. Alors la griffe. Où il y a de l'or ici? Un petit peu aux alentours, il y a deux coffres là-haut. Vous allez voir que ça va être juste pour des bombes ou des trucs comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais là. Le feu. Total feu. Combat, sort. Feu. Tout le monde. Je peux donner la vie. Merde, j'avais coup de griffe. Ah, c'est pas top. Attaque tornade! Non, non, attends. Non!
change. Voilà. Attaque normale. Et on va se soigner direct. Guérison. Voilà, voilà. Il y a trop d'ennemis. Donc là, c'était Blizzard, je crois. Et là, juste une attaque. Non. Non, pas du tout. Non, non, juste des attaques. Arrête de chercher à faire des trucs, tu spammes le bouton d'attaque. Et c'est tout. Et ça passe. Voilà, hop, hop. On spam. Bon, voilà. Faut pas se compliquer la vie. Même pas le temps d'attaquer. Encore une chauve-souris à mettre dans la liste. Par contre, là, on va peut-être se soigner avant. Mais avec des potions. Voilà, calme-toi, je résiste. Oh, il est tout petit. Bon, des coffres inutiles. Explosif, voilà. Tout ça pour ça. Wow, du calme toi. Voilà. Trompé de magie. Allez, viens ici, toi. On se fait plaisir. En XP. Oh là là. Ah ouais. Pas mal. Pas mal. Ok. Ça, je m'y attendais. Donc il faut soigner la pierre. En priorité. Ou tuer Médusa en priorité. C'est pareil. J'ai jamais vu un RPG tour par tour avec un continu juste après le combat. Je crois que c'est la première fois que je vois ça.
Wow, on a XP, c'est cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un puzzle avec des trucs à pousser et compagnie, là. Non pas que ça me manque, mais... Et voilà. Faut que ça change un peu, là. C'est toujours la même chose. Donc... Et là, je peux plus revenir. Je suis où? Ah, bah je suis là! C'est parfait. Donc là, il y a l'entrée. C'est bien ça, hein. Ouais, là-bas, il y a l'entrée et je peux aller à gauche. Mais je vais aller à gauche parce que, à mon avis, la suite, c'est en bas. Allons voir ce qu'il y a à gauche. Un piaf. Même pas peur. Là, il y a sûrement un coffre important. Encore un truc à la con. Encore des bombes. Dégage. Je fonce. Et attention, ce sont des bombes. Pff. Non mais stop là. Il y a beaucoup trop de bombes dans ce jeu. Les ninjas. J'aime pas trop cette config. Le piaf d'abord. Je m'égare encore là. Pouah. Ah ouais, le labyrinthe. Ok. Et là. Bien, vous savez quoi? Je retourne au début. Je sais, je suis chiant, mais j'ai pas envie de m'éparpiller. Donc on retourne au début. Là, il y a quoi là? De toute façon, je peux revenir au début avec la magie sortie. Donc je vais d'abord explorer par là. Après, j'utiliserai sortie et voilà. Il y a là-haut aussi. Ah, c'est pour après. C'est parti! J'aime pas ça. Le non, pas le feu. Séisme, non. Le tonnerre.
Ouais, pas terrible. Ah, guérison, non, non. Quoi, tout. J'ai plus assez de magie. On va bouffer de la graine. C'est indiqué où ça? C'est indiqué derrière le... Derrière la fenêtre, ok. Des bombes. Tant que le donjon, pas comme le donjon de glace. De quoi au niveau des puzzles? Non, j'aimerais bien moi, un petit puzzle. On joue à Doom 2016. Attends, hey, on va là-bas. Mais enfin, mais ça sert à quoi du coup? À rien. Bon bah tant mieux. C'est même pas un labyrinthe, c'est de la merde. Bon bah j'irai là après, mais là. Ah, quoi que non. C'était rien le donjon de glace, c'est rassurant. Ah oui, le labyrinthe qui fait tourner en rond, putain. Voilà, je crois qu'on est bien parti, hein. Ça sent le labyrinthe un peu. Faut bien faire les choses dans l'ordre. Ne rien oublier. Bizarre ce mur. Oh là, il y a du monde. C'est le même endroit en mode miroir. Il faut attaquer toujours le même. Yep. Oh la vache. Waouh, il y a du monde là. Et utilise ces objets parce que... Sors. C'était quoi contre eux? Je sais pas. En 3 coups le boss final. On verra. C'est sûrement une méthode cheatée. Genre soigner le boss à fond. Il y avait un boss comme ça dans Final Fantasy 4. Fallait juste le soigner. Wow! Attends, mais on en a pour 10 ans là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 combats. Bon, on va d'abord combattre. On va faire les trucs chiants le plus vite possible. Je suis pas obligé de tous les combattre, si. Non, on va combattre juste...
Doucement. On va combattre Médusa. Tous sur Médusa. Attends, elle s'appelle comment? Steno. Steno. Aïe, aïe, aïe. Voilà, l'ennemi est anéanti. Je passe. Et bah, je chope tout, du coup. Tonique, santé et paix de guérison. Y'a quoi par ici? Bon, attends, j'en ai tué qu'une. Bon, je vais aller en bas. Je sais que ça va respawn de toute façon. On attaque. Oh là là, oh là là, oh là là. Se réveille là, voilà. C'est pas le nom d'une des deux sœurs Gorgone? Steno? Je pensais à sténographie, c'était une secrétaire, elle avait des ongles, je sais pas. D'accord, bah voilà, j'y connais rien, la preuve. Attends, c'est que des jeux de mots depuis tout à l'heure. Donc là, je vais atterrir tout en haut, avec un petit coffre. Ah merde! J'essaie de me refaire toute la map là dans la tête. Et là, ça revient, c'est ça? Ah non, même pas! Eurial, Steno. Ok. Ah, je connais rien. Je connais rien à rien. Non. Pas cultivé. Allez, hop. D'abord le piaf parce qu'il est chiant avec la guérison. Hein. Ça s'entend quand je spamme le bouton ou pas? Faut que je l'éloigne du micro. Voilà, une potion de temps en temps entre les combats. On s'entend, Mosef. Donc là, le sort, c'était le feu. Non. C'était l'instant Jamie du chat. Steno, Eurial et Médusa. Médusa était la seule des trois à être mortelle. Les autres étaient immortels. Oh putain, la puissance! Oh la puissance! Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi là? Du feu? Espèce de gros dégueulasse. Ah merde! Ce serait la suite ça? Comment tu t'appelles toi déjà? Petit Jean.
Bon bah petit jean. Juste pour ça? Ah oh, mais j'ai bien fait de venir là, voilà. L'intuition parfaite. Là, on a sauvé au moins 30 minutes de gameplay inutile pour trouver le bouton. Excellent. Je vais la torcher, cette grotte. J'ai même envie de combattre tout le monde. Allez, on y va. C'est pas obligé, mais c'est parce que c'est tellement bien, c'est tellement cool de faire ça que j'ai envie d'en faire le plus possible. On va balancer du sable dans les yeux, mais y a pas de problème, je combats encore. Alors, sable dans les yeux, sortilège... Il n'y a pas un objet qui me permet de faire... C'est pas tonique. C'est quoi tonique? Regarde. Je peux pas l'utiliser, tonique. Eau magique. Bon, voilà. Ah ouais, c'est vrai que c'est inversé! Potion de santé, ça guérit. Potion de guérie... Sa santé. Bien. Ils ont inversé les étiquettes. Bon alors. Oh putain. Oh le combat chiant là. Bonne nuit, monsieur X. 22h30 déjà. Ah ouais. 22h30. Tonix est sûrement contre la pierre. Je sais pas. Il faut aller voir à quoi sert tonique. Sandy va mourir. J'opterais bien pour le feu, non, le tonnerre. Non. Non, non, non. Combat au corps à corps, c'est tout. Oh là là, la confusion. Très sympa. Arrêtez! Oh, ok, ok, ok. On va attaquer direct. Qu'est-ce que tu fais? Pas de panique. Ça passe. Elle est toute seule en plus. En un coup. Non, 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 non. Ouh.
1358. Non, ça va pas marcher, ça. Bah oui. Forcément. Bec pierre. Non, encore à corps. Tonic, ça restaure les stats perdus en combat. Ah oui, ok. Ok, je comprends. T'as des ennemis qui font baisser ta force d'attaque, par exemple, et tonic, bah ça remet tout à zéro. Ouais, mais tu utilises jamais ça. Ah voilà. C'est pas utile. Quoique. Est-ce que depuis le début du jeu, à chaque fois que je me suis fait attaquer, mes stats ont descendu? Alors là, j'en sais rien du tout. Aucune idée. Allez, plus vite. Et le petit dernier. Yes! Bon alors, qu'est-ce que c'est que ça? Un petit puzzle. Bombe. Facile. Y'a rien d'autre. Y'a rien d'autre. Merde, aveuglement. On s'en fout. Raté. Y a un mec qui passe les cieux à cette heure-ci. Passer à la lessiveuse quand il pleut. Bah ouais, mais il y a des gens. C'est compliqué. C'est l'époque. Je vais mourir. Je vais crever, mais il n'y a pas de problème. Sandy fait le café. Ou pas. Allez, ça passe. Ça passe. Tu vas mourir, oui. C'est une bonne idée, ça, un café. Tu me donnes envie d'un café. Un cappuccino. Sors, guérison. Et j'ai 19 de magie blanche. Oh la vache, mais c'est quoi tous ces gens? Re-Wonder. C'est quoi tous ces gens là? Y'a trop de gens. Ah, Starbucks. Les deux fois où j'y suis allé, c'était pas top. Mais bon, j'ai pris des trucs exotiques, là. Le fin fond de la carte. Ça, c'est mon grand problème quand je vais dans les restos et tout ça. Dans les bars à cocktails. Je prends toujours les trucs les plus perchés. Ça, ça vaut le coup, on est d'accord. On y va gaiement, là.
Pouah, allez, c'est parti. Youpi. Allez, petit jean. Petit jean, y a pas de souci. Tous sur petit jean. Mais qui c'est qui a parlé de café, là? Oh putain de merde. Oh putain de merde. Oh la proute. Bon alors, guérison. Pas de problème. On s'en fout. Calme-toi. À la limite, soigne ton pote. Qui est-ce? Merci Unlock 2222. Merci pour le follow, bienvenue. Unlock. J'aime ce pseudo. Bonsoir monsieur. Et j'ai fait quoi? J'ai guéri alors que je suis full vie. Je suis débile. Rubicon résiste. Combat, attaque, tac, attaque, tac. Pikachu. Tiens, un Pikachu. Bah ça va, tranquille. Je découvre Mystic Quest. Voilà. C'est pas mon style de jeu. C'est lent, c'est mou. Donc c'est la torture pour moi. Mais bon, ça va, il est sympa. On passe un bon moment. Tranquille. Je peux faire autre chose, voilà, je peux boire mon Red Bull, je peux me gratter. Il est différent celui du milieu là, non? Non. Avizar. J'ai tellement envie d'un bon gros FPS qui tâche là. Peut-être mardi. Je sais pas, mardi je ferai peut-être Doom, je sais pas. Ou Brutal Doom. Ouais, parce que voilà. C'est un jeu qui m'a été demandé avec les points de chaîne. Et je suis obligé de le faire à 100%. Donc je suis bloqué. C'était ton premier RPG. Bon, moi c'est pas mon premier, mais c'est pas mon, c'est pas trop mon, mon style. Voilà, donc désolé si je râle pendant que j'y joue. Merde! Con de jeu! Attends! Non, pas le moment de... Non, objet. Des débiles de ninja, quoi. Debout. Debout! Raté. Et quoi? Il m'a raté, du coup, je dors. N'importe quoi. Merde. Aïe, aïe, aïe. Objet. Donc, voilà. Non, pas ça. Si, voilà. Santé. Debout. Voilà. Ce que je disais. Voilà, je risque de râler souvent, surtout avec le puzzle. Le puzzle du palais des glaces. Bordel. J'avais pas sauvegardé depuis longtemps en plus. Allez. On guérit. On guérit.
et en santé. Ça va les gars, je prends le coffre, hein, y a pas de problème. Casque B. Every Eva suit needs one. Et je suis en rétro achievement. Heureux. Avec mon café. Je veux un café. J'en ai. Le Red Bull, faut que j'arrête. Hein. Il faut que j'arrête le Red Bull. Je vais remplacer par du café, du thé. Je bois du thé. Du thé à la weed. Confusion, attention. Moi, faut que j'arrête la picole. Ah, moi, faut que vraiment que j'arrête le Red Bull. Parce que je sens que mon corps m'envoie des signaux bizarres quand je bois. De plus en plus. Genre, c'est pas le même goût qu'avant, tu vois. C'est un goût plus sucré que d'habitude, mais genre 10 fois plus. Ça te dégoûte. Et le coca, ça fait pareil. Et peut-être que mardi, je streamerai pas parce que dentiste à 11h30, mardi. Je serai peut-être plus parlé. Je déteste le dentiste. Qui aime aller au dentiste? Personne. Bien, j'ai eu le... Bah, j'ai eu un casque. Attends, j'ai eu un casque. Et... Et c'est tout. On s'en fout. Y a rien. Mon infarctus me signale que je devrais peut-être arrêter la caféine. Bah oui. Moi j'ai pas eu cette malchance pour l'instant, mais... Avec mon grand âge, ça ne saurait tarder. Je suis vieux. On va par là, on a tout fait par là. Attends, jamais, t'en as jamais bu. Rien que l'odeur. Ah, ça dépend des gens. On a beaucoup qui détestent. Mais tant mieux, parce que voilà. J'allais dire une connerie, mais... Il faut que je me modère. Comment expliquer ça? Et des produits, vaut mieux pas que tu les... Voilà, si tu les aimes pas, parfois c'est bon signe. Ben voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Pas du tout. De quoi il parle? Ce type est fou. Je tourne en rond, c'est ça le problème. Je peux faire ça, mais il faut pas le faire, parce qu'il faut respecter le jeu d'enfance des gens. Il y a pire comme goût en bouche. Non, c'est pas de ça que je pensais, mais... À quoi tu penses? Bien, et on va par là maintenant, vu que c'est la seule issue. C'est la seule issue, ou pas? Non, on peut aller là... Non, ok, on fait le tour... ok, bien. Mais dans le village, il y a bien une grotte cachée, là. On n'a pas trouvé. Barre-toi de là! Je plaisante, j'ai pas eu d'infarctus. Eh bien, ça va pas tarder. Le karma. Je veux tirer sur des trucs qui bougent vite. Du shoot them up. Allez, la grotte suivante, remplie de monstres. Un piaf qui barre la route. Des piafs qui barrent la route. Ouais, eux, sort. Quoi, prout?
Il me faut une masseuse là. Payez-moi une masseuse. Bah moi c'est pareil, il m'arrive rarement des conneries, mais quand ça m'arrive, c'est genre puissance 10. Ça rattrape les fois où je suis pas malade. Et où je devrais l'être. Mais ça m'arrive de plus en plus souvent qu'avant. Faut l'avouer. Quand j'ai des galères, j'arrive toujours à en tirer plus de profit que de soucis. T'es streamer? Deviens streamer alors. Tu vas devenir très riche. En très peu de temps. C'est que des soucis. Oh merde! Fuite! Attendez. Magie blanche, 13. Guérison, boum. Guérison, boum. Mais pourquoi je peux plus faire ça? Parce que j'ai plus de magie noire. C'est ça? Je sais pas. J'ai deux web TV, une structure en Major League. Bah voilà! Tu connais les soucis. T'es en première ligne. Y a pas un autocliqueur là pour que ça fasse ça automatiquement? Bouton turbo. Avec finition. N'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Faut trouver des sujets de conversation, hein, parce que là, les RPG... Ah, y'a quoi là? Y'a Méduse. Allez, on y va. Même avec aveuglement, ça passe. Aucune résistance. Aucune résistance au jeu. C'est quoi? Y'a encore plein de trucs. Arrêtez! C'est quoi ce labyrinthe de fou là? Mais attends, c'est le niveau qui te rend fou. Ah ouais, le niveau de stress. De quoi tu parles? La finition machine. Eh, sans déconner, le jeu, là, t'exagères, mec. J'ai mal aux yeux. J'ai mal aux yeux. Est-ce qu'on a fait... J'ai déjà fait une pause aujourd'hui ou pas? Non. Qui veut voir la suite de Nightmare Rose 2? Moi! Non, je sais pas ce que c'est les finitions machines. On parle exactement de ce à quoi tu penses. Et attention parce qu'il y a le chat là sur YouTube, juste là en dessous. Là il y a Unluck, il a perdu tous ses sponsors. Ah merde! Mais c'est pas grave, la vidéo sortira en 2027. 2027? Ah non, on est en 2022, donc... 2037! À raison d'une vidéo par jour, oui.
Et ça s'accumule tellement. J'en ai marre de ce jeu. Ah, bah, il y a deux coffres. On reviendra plus, là. On va soigner Manuel. Rubicon, là. Tête de con. J'en ai un vague souvenir, c'était... Meurs ! Voilà. Tout va bien. J'en ai un vague souvenir, c'était chiant. Moi, ça fait tellement longtemps que je me souviens plus de rien. Paix santé, paix guérison, on s'en fout tellement de ça. Bon, au moins, il n'y a plus rien ici. Il n'y a clairement plus rien ici. Il n'y a clairement plus rien. Ah si. Si, si, si. Salamande. Salamande. J'ai une question à 1 million de points à ceux qui connaissent, pour ceux qui connaissent Mystic Quest. Est-ce que si j'utilise la magie sortie pour revenir au début du donjon, est-ce que les ennemis respawnent? Et ça, personne n'en sait rien. Mais ça me ferait chier de me retaper tout ça. Pourquoi j'irais combattre lui, là? Attends, parce que là... Oui, le tout qui respawn, merde. On n'est pas dans le caca, quoi. Oh non, mais tu l'as, voilà, tu l'as, on s'en débarrasse vite fait. Bon, faut pas utiliser la magie sortie. On a des graines, tout va bien, je conserve mes graines précieusement. Pour le jour J. Si tu sors du donjon, les ennemis seront là, sinon je crois pas. Moi, ouais, je fais toutes les classes de combat. Obligé, je suis sur les 3 achievements. Bien. J'ai envie de tuer tout le monde. Allez, on tue tout le monde. Ça prend 10 ans, mais... On crève tout. Non, c'est juste un swap color en fait. On les a déjà vus ceux-là. Yep. Aveugle. Aveugle man. Comment ça rater? Pas de rater. Non, non. Voilà. Il a perdu ses cheveux. Dommage que je puisse pas passer au-dessus des ennemis. Là-bas, je crois qu'il n'y a rien du tout. Ah, si. Si, 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 si. Par contre, là, si, 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 si. Ok.
ce sera juste des bombes, hein, comme d'habitude. Fast Neo Racing aussi à continuer. J'avais oublié. Hop! Et j'obtiens du caca. Attention, et voilà, c'est du caca. Ça va être que ça ici. D'abord là-bas. Je vais dépasser Rubicon en termes de niveau. Donc lui, il évolue pas du tout. Il reste niveau 23, quoi qu'il arrive. Ok. Et voilà. Niveau 24. Que j'ai passé là-dessus, c'est hallucinant quand même. 8h43. Coucou. Que la hache rate un peu souvent. Ouais, mais les bombes, elles sont pas assez fortes. Non, l'épée, non. Mais si, la griffe. Mais la griffe. Ça a l'air mieux, la griffe. Ah bah oui. Je faisais combien avec la hache? 200 et quelques. Bon bah voilà. Mais ça continue. Ça continue. Ça s'enfonce de plus en plus. Ok, donc je suis revenu là. Très bien, je vois où c'est.
Fallait que je tousse. Je te déteste, Lord. Je vais mourir. J'ai envie d'accélérer. J'aurais dû mettre ça en point de chaîne, quoi. Accélère pendant 10 secondes. J'arrive même pas à me détendre, en fait. Tu vois, je devrais juste me détendre, là, tranquille, y jouer. Mais non, tu sais, je suis là, il se passe rien. Je m'affalais comme ça, voilà. Je suis là, je bouge pas. Il devrait mettre en point de chaîne la possibilité de soumettre des purges. Genre. Un exemple. Qu'est-ce que vous appelez des purges? Genre ça? Ça c'est une purge de l'enfer. Au moins, ça me permet de le faire un jour. Le stream relax du coma. Ouais, non, mais là, c'est Coban. Wario Woods. Alors pour bien me faire chier, tu vois, GoldenEye 64. Un FPS à la manette. En 64 bits. Castlevania 64. Ou Tryhard de Castlevania sur Game Boy. Castlevania Légende. Clu-Cluland, oh putain, Clu-Cluland. Je vais enlever ce truc de point de chaîne là, vous avez trop de sales idées. Daikatana à la manette. Je crois qu'il y a des rétro achievements dessus en plus. Ce genre de jeu. Ouais, on a tout, voilà, paix de guérison, super. On avance. Et non, combat. Mais je me suis encore trompé de layout. Enfin. Ouais. Je me réveille. C'est bon, je suis là. On est à fond là. On arrive à la porte bientôt. Et combat. Oh non, le piaf. Je l'aime pas le piaf. Il se soigne, il fait des attaques de feu. Ah.
désolé. Que? Pour que? What? C'est quoi ces conneries? Bon bah y'a rien. Hop! Tant mieux, y'a rien, on s'éparpille pas. Oh, y'a plus les... Non, c'est pour pas accumuler. Il faut d'abord terminer celui-là, et après je le remets. Sinon après j'accumule, il y a une liste de dingue, et... Et voilà. Et ça me stresse. Bon, vous allez mourir, oui. Que je me soigne. Pourquoi rater? Bah alors, Rubicon, là, il t'arrive quoi? On se réveille! On se réveille, objet! Je reconnais cet endroit. Mais oui, c'est le début! C'est le début! Donc faut surtout pas aller là en bas, parce que sinon... pète les plombs! Tir décisif. Ah ouais. Ah ouais, vive la griffe. J'ai perdu tellement de temps avec la hache. Bah, y'a pas de combat. Je suis déçu. Ah, un combat. Je lis même pas les titres là. Dôme de lave. Et là. Dôme de lave. C'est calme. Est-ce qu'il est calme? Ouais, c'est très calme. Le jeu est calme. Je sais pas quoi te dire. J'ai rien à raconter, moi. J'ai pas une vie passionnante. Faudrait que je regarde un stream de quelqu'un qui joue à un RPG avec plein de viewers pour voir qu'est-ce qu'il trouve à dire en jouant à ça. Après 14 heures de gameplay. Qu'est-ce que c'est que cet endroit encore de fou là? On peut sauter au-dessus de ça. Attends, on peut sauter au-dessus de ça, donc. Allez, on nettoie la zone. On va faire une belle session de 2 heures. D'une traite. Ça c'est cool. On avance bien. À part ma webcam, il n'y a rien d'autre à regarder, quoi. Vous n'êtes pas focal sur le jeu, vous êtes focal sur moi. Je me sens observé. J'aime pas ça. Ça me stresse. Arrêtez de me regarder. Ouais, mais ce gros streamer, comme tu dis, il fait pas des RPG. Enfin, il fait pire, je sais de qui tu parles. C'est quoi le délire? Alors, va falloir qu'on m'explique, hein. Je reviens.
qu'est-ce que c'est que ce délire avec Vampire Savior? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde joue à ça? Est-ce que c'est une OPSP Twitch? Est-ce que y a du fric en jeu? Qu'est-ce qui se passe? Le jeu est fun? Je sais pas, hein, j'ai jamais joué. Rebonsoir, Codeine. Le jeu est super fun et addictif. Bon. Mais ça ressemble à Realms of Mad Dog. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Vous avez sûrement connu ce jeu au début de Steam. C'est un peu comme un mélange entre Isaac et tout. Je trouve que c'est toi qui fais les boulettes infernales. Ouais, mais c'est un jeu genre Burrito Bison, quoi. Putain ! Je suis pas attentif. Non, c'est ça, hein. C'est un truc à la Burrito Bison où... Tu joues, tu augmentes, tu joues, tu augmentes, tu joues, tu augmentes, tu joues, tu augmentes, tu joues. Bon, hey, c'est quoi ce combat de merde, là? Qu'est-ce que c'était que ce combat naze? Tout moisi. Le jeu coûte 2€. Ouais, mais des jeux comme ça, il y en a des tonnes. Pourquoi celui-là? Et pas qu'en France, hein. J'ai vu que Vinesauce le faisait, j'ai vu que plein d'autres le faisaient. Je me suis toujours demandé pourquoi. Qu'est-ce qui se passe si je saute là? Rien. Un coup de chance. Moi, je sais pas. Bizarre. Dans ce domaine-là, c'est jamais un coup de chance. Même Among Us. Je suis en pierre. Qui m'a fait ça? Qui m'a changé en pierre, là? Bon, je reste pas en pierre. Non. Le piaf? Ah merde! Le piaf peut changer en pierre et peut se guérir aussi. Du coup, tu veux jouer à un FPS? Maintenant? Non. Oh, on est parti jusqu'au pizza, là. Sur Mystic Quest. Pourquoi tu voulais me proposer quelque chose? Presque à la fin. Je suis même pas à la moitié, je suis sûr. En général, enfin, je veux dire... ouais, le prochain jour. À quoi tu penses? Mais non, je suis pas à la fin, arrête. On a été voir une soluce tout à l'heure, parce que j'étais bloqué, vu que ça faisait une semaine que j'avais pas repris le jeu. Et j'étais au chapitre 1 sur 7. Donc non... Mais non! Oh non! J'ai mal lu! Mais va te faire mettre, Lord! T'es malade! Putain! Tu dépenses tes points pour rien, là! Mais SNES, mais t'es... Mais non, mais t'es taré! En plus, sur Retro Achievement, il n'y a aucun achievement lié au mode normal. Va faire le jeu en ultra-violence à la manette sur SNES.
Bah ouais. Sinon, je le fais en facile. Hein. Je le fais en facile, voilà, on finit le jeu tranquille. Même en facile, putain, SNES. Doom Super NES, quoi. Bon, hé. Je vais d'abord fouiller cette zone. Parce qu'il y a un putain de ninja qui est resté avec un lézard, là. Non, si je vais là, ça respawn pas. Ah ouais. Nul. 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 Le stream de la blague. Ouais, mais tu chies. Je voulais le garder pour une soirée Doom, en fait. Mais bon, ok, je vais le faire, je vais le faire. Je te citerai ce jour-là. Je voulais faire Brutal Doom, donc un stream avec Brutal Doom, à fond, ultra-violence, tout ce que tu veux. Et après, passer à la version Super NES pour comparer. Et bien cracher dessus. Donc je le ferai, ça ouais, mais après Brutal Doom. Qu'est-ce que t'en dis? C'est pour ça que je dis que t'as utilisé tes points pour rien, c'est parce que c'était prévu. J'ai envie de faire Brutal Exen aussi. Comment on passe là? Il y a un truc à faire. Attends, que je regarde bien. Ouais. Je suis obligé de passer là en dessous. Et pour aller là en dessous. Il y a un chemin. Ouais, d'accord. D'accord, mais... Il y a juste un ennemi, là, comme ça, pour rien, en fait. Ou alors, c'est la suite. Attends. Ah, mais voilà, c'est la suite. C'est la suite. Brutal Excel. Brutal Excel. Brutal Excel. Brutal PowerPoint. Ah, il était là, lui. Pourquoi j'attaque avec la bombe? La bombe, c'est pourri. Quoique. Je ferai les trois chapitres de Doom sur Super NES. Mais en ultra-violence... Oh! Ouais, mais... Ouais, mais attends. Attends. Bon, on sait où est la porte. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, vu que j'ai pas envie de me retaper tout le truc... Et que si j'utilise la magie sortie, il y a tout qui respawn. Ce qu'on va faire, c'est tout explorer avant la pause. Une pause bien méritée parce que j'ai bien avancé. Non, on va tout explorer. Je vais battre le boss et après. Enfin, s'il y a un boss. Parce que si ça se trouve, c'est encore des couloirs de l'infini. On ne sait pas. Il y avait quoi là en bas? Mais d'où je viens là au fait? Comment j'ai atterri là? Par là, non. Non, c'était par ici.
Non, c'était pas par là, putain. Non, voilà. Ok, ok. Ici, ici. Je crois que ce que je suis en train de faire, en fait, ça sert à rien. Ok, j'avais oublié ça, donc hop, perte de temps inutile. Putain, j'ai lu Symphony of the Night. Il faut faire une pause. C'est la fatigue. Il faudrait siphonner les points de chaîne de Lord Omega. Surtout, ce n'est que le début, surtout. Il y aura plein d'autres trucs après. Il y a plein de trucs de prévu. Bien, donc. Mais pas tout de suite. Donc. On y va. On va bouffer de la graine. Ah, je m'en sors pas avec les menus. Donc, objet. Graine. Et la graine, ça restaure tout. Mais vraiment tout. Bon, on est bien là, hein. On sauvegarde, et on fonce. Mouais. Salut la jeunesse, alors ça galère toujours sur ce jeu de ses morts. Salut Azrael. Ben ça galère pas. Franchement ça galère pas, c'est trop facile, on est bien. Les puzzles, c'est à l'aise. Par contre, c'est lent, c'est long, et c'est répétitif, et c'est la torture. Mais c'est pas la galère. Qu'est-ce qui se passe? Succès débloqué, traditionnaliste? Parce que j'ai les 1000 points de vie et le niveau 25. Voilà. Trop de level up. Y'a rien. Qui es-tu, toi? Attends. D'abord. Tu veux faire un FPS? Non mais en général. En général. Psst. Très. Y'a rien. Mais. Ouh, c'est qui ça? Qui c'est? C'est bien parce qu'on voit que ses pieds. Le teasing. C'est un gros piaf rouge. Attends. 1000.
m'aurait donné Duke Nukem 3D Mega Drive. Pourquoi pas? Là, ça aurait été une vraie torture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme FPS sur Super NES? À part Doom. Arc, je sais plus quoi là. L'Arche de Noé. Ah oui, à Wolfenstein 3D. C'est pire que Doom ça. Je l'ai pas fait à l'époque, le premier Wolfenstein. J'y ai joué il y a quoi, 3-4 ans pour la première fois. J'y ai joué une heure, mais j'avais la gerbe, quoi. Succès débloqué, 9000 GP. Ok. Non, mais en fait, je farme trop. Je farme beaucoup trop, là. Je gagne des... Attends, il se passe quoi, là? Je gagne des achievements hyper chauds à avoir. Lui, je sens qu'il va me casser la tête. Il va me casser la tête, ce mec. Bon, manuel. Rubicon. Merde. Le dragon à deux têtes. On est d'accord que là... Tu vas mourir! Non, j'ai dit que je faisais le boss, c'est après la pause. Donc je vais mourir. Quoi que c'était une... Non, j'aurais dû... Ouais, t'as raison. Voilà, comme ça je commençais la vidéo là-dessus. Zut! Bon, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, on attaque. On y va, à fond. Attaque, attaque! Pure attaque, ça résiste! Bon, ça résiste à la griffe. Bon, alors c'est un coup de bol. Je retente. Ouais, bof. Bon, par contre, poison. Santé. Ça existe, Brutal Wolfenstein 3D? Je crois pas que ça existe. Attends, attends, attends. Bah, j'essaierai en découverte. Donner guérison, oui. Bon, attaque, et après j'utiliserai le blizzard. Si j'en ai l'occasion. Attention, 324. C'est un mode de Doom 2. Dans Doom 2, il y a des niveaux Wolfenstein aussi. Qui, en brutal, sont très, 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 très difficiles. C'est même l'un des niveaux les plus difficiles de Brutal Doom 2. Le niveau Wolfenstein.
Brutal Doom et Map of Chaos. C'est la merde. T'as plus qu'une tête ! Mauvais. Oh, ok. Coup de bol. Qu'est-ce que j'ai foutu? Quoique. Non, c'est bon. Oui, c'est ça. Il lui arrive quoi là? Dragon rouge résiste. Ok, troisième phase. Changer la griffe. Attends. La hache. On lui coupait la tête. Ah ben voilà! Il fallait utiliser la hache. Quoi? Oh, j'ai même pas eu le temps de... Non, mais non, mais non, mais putain! Mais c'est pas vrai, il a fait pierre. Il a fait pierre, cet enfant. Ça, c'est pute. Ça, c'est dégueulasse. Bien. Eh bien, sur cette musique de la défaite, on va faire une petite pause. C'est honteux. Allez. Eh bien, attends, mais... Un coup ou deux, et c'était fini, c'était plié. Mais non!